Bonjour à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de jeu, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on découvre Bulb Boy, donc un jeu avec un nom chelou déjà, développé par Bulbware Studio. C'est un studio indépendant polonais. Alors je pense que c'est leur premier jeu parce que j'ai pas vraiment trouvé d'autres infos sur le développeur et en plus, vu leur nom Bulbware, on voit qu'ils ont fait leur studio pour ce jeu. Alors il faut savoir que le jeu est sorti en octobre 2015, donc vous vous demandez peut-être pourquoi j'en parle maintenant. Et bien simplement parce que le jeu vient juste de sortir sur la Nintendo Switch et sur la Xbox One. Ça fait bien longtemps qu'il est disponible sur PC, Mac et Android, mais là voilà, c'est une étape supplémentaire pour le jeu. Et d'ailleurs, il sortira sur PS4 en 2018. Si le jeu vous intéresse sur Switch, il est dans les 8-9€, sur Xbox One pareil. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'avoir sur Android, vu qu'il commence à dater, à moins de 3€, donc franchement c'est abordable. C'est un point and click, donc le côté tactile s'y prête bien. Et puis heureusement qu'il est pas trop cher, parce qu'il faut dire que le jeu quand même fait 2-3 heures d'aventure, donc c'est pas énorme. Donc vous allez le voir, comme je vous l'ai dit, c'est un point and click 2D, plutôt glauque, dans une ambiance très colorée, donc ça passe d'une ambiance très verte, vous allez le voir, une ambiance très rouge. C'est assez étonnant, mais en tout cas c'est très marqué au niveau des couleurs, et on incarne une espèce de jeune garçon en poule. Trêve de bavardage, on se retrouve sur le jeu. Regardez-moi cette ambiance vraiment bizarre. Donc je vous l'ai dit, ça va être glauque. Bulb Boy, plutôt cool. Le nom en japonais en dessous, j'aime bien, c'est sympa. Bon, c'est un studio polonais, mais bon, le japonais est toujours efficace, ça marche bien. Au niveau calligraphie, c'est trop beau. Bon, vous avez vu le personnage, donc oui, alors tête d'ampoule. Alors je crois pas que ce soit lui qu'on incarne. Parce que, bon, je vous le dis, je vais découvrir le jeu avec vous. Je vais juste regarder vite fait quelques vidéos, photos, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et on voit tout de suite qu'il y a une main glauque devant qui veut nous attraper. Il y a une histoire de monstre. Et là, on nous dit clic, 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 clic. Et je clique. Voilà, tout simplement. Je vous laisse profiter aussi de l'ambiance sonore qui a l'air vraiment plutôt travaillée. Je peux cliquer là? Non. Ok, j'avais rien à faire en fait. Ah oui, et puis du coup, il n'y a pas de dialogue. Ça c'est cool. Donc, une histoire de dragon. Un chevalier qui coupe la queue du dragon pour le manger. Je ne sais pas. Ok, papy est endormi. Ok, faut que j'aille au lit, je suppose. C'est super beau. En tout cas, on peut le dire, c'est magnifique. Alors, attendez, le papy, je peux faire quoi? Rien. C'est sympa, la souris, du coup, change forcément qu'on approche des trucs. Et vous voyez, je vous l'ai dit, ambiance très tranchée, on est vert, avec de la grosse lueur. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, et ça sauvegarde en bas à droite. D'accord. Oh. Yeah. Oh, non. C'est dégueulasse. On va changer. Oh. Je n'ai pas réussi à... J'ai pété là. Ok, je peux débrancher? Ok, parfait. Et comment je me casse d'ici? Ah, je peux le rebrancher? Non. Ah non, j'ai pas envie de le rebrancher. Ok, comment je me casse? Comment? Ah, ok. En bas, en fait, il y avait un petit icône qui est apparu. Ok, très bien. C'est quoi ça? C'est un animal? Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop chou. J'aime beaucoup. Ah, c'est quoi ça? C'est pas le gant qu'il y avait sur... C'est pas un gant de chez Nintendo, ça? Hommage à un gant de chez Nintendo qui était en réalité virtuelle, on pouvait faire des trucs avec... Ça me dit quelque chose. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous. N'hésitez pas, pardon, à me le mettre dans les commentaires. Voilà. Ça, parce que ça m'intéresse, ce truc-là. Je me rappelle, là. Je peux le réveiller? Papi, papi! Papi ou papa? Papa, papi! Hey, je clique, là! Sérieusement? Sérieusement? C'est dégueulasse! Je viens de prendre le dentier de mon grand-père. Ah non, ça c'est immonde par contre. Bon, je refais la même chose. Là-haut, du coup, j'ai l'inventaire. Ok, je peux manger le chien. D'accord, je ne peux pas. Donc, je peux me faire, comme dans tous les points de clic, pardon, je peux me servir du coup d'objets que je ramasse. Et là, on a le poisson rouge. Je peux rien faire avec le poisson rouge. D'accord, il faudra quelque chose. D'accord. Bon, allons au lit. Je suppose que c'est par là. J'en suis pas sûr, mais. Bah, si, il y a une porte. Il y a une porte. C'est clairement par là. Quoi, non? Le dentier et pas de télévision. Faut que je mette le dentier dans l'eau. C'est trop mignon, genre je m'occupe de mon grand-père. En fait, faut que je mette son dentier dans l'eau, donc bah oui, dans le poisson rouge, forcément. Mon dieu. Il est content, le bonhomme. Bon, l'ambiance est cool, hein. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais l'ambiance est vraiment, vraiment cool. Et puis le côté vraiment universel, c'est-à-dire que... Ah! Oh, c'est trop mignon! C'est quoi? Un petit chien avec des ailes. Ok. Ok, oui, il s'envole. Très bien. Tout va bien. Ok. Oui, le côté universel du langage, en fait, des pictogrammes, ça marche bien, ça.
Ah non, j'ai cru qu'il allait dehors, moi, c'est... ça n'a rien à voir. D'accord, ok, on est parti se coucher, on a mis le dentier du grand-père dans l'eau, tout va bien. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est, un trou noir? Ah non, ça a des espèces de tentacules. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est trop bien fait, c'est vraiment beau en tout cas. Mon dieu! Je vous l'avais dit que l'ambiance était glauque? L'ambiance est glauque! Ok, on se retrouve dans la chambre, très bien. Il faut que j'aille voir papy. D'accord. On va ramasser le petit lapin. Oh, un petit canon, lapin d'amour. Ok, qu'est-ce que je peux faire par ici? Je peux ramasser quelque chose ici. Ok, super. Un balai à franc. Un balai à franc, n'importe quoi. À poil. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quoi? What the fuck? Avec le balai. Attendez. On va voir ça déjà. Ok. Oh là, oh d'accord. C'est quoi ça? Il y a une araignée. Je peux la taper ou pas? Ok, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, les gens. Ok, là on peut. Wouah, c'est chelou. Ok, ah. Ah. Quelqu'un vient de s'abonner en fait à la chaîne en direct pendant que je faisais le. Pendant que je fais le let's play en fait. C'est génial. C'est pour ça qu'il y a ce truc là. Ok, ah oui, on peut pouvoir faire passer la bête par là. Et ensuite l'enfermer. D'accord, je suppose que c'est ça. Vas-y, viens. Vas-y, passe par là. Parfait. Et là, j'ai pu prendre la blatte. Très bien. Bah, l'espèce d'araignée. D'accord, alors attendez. Là. Mais touche pas à ça, malheureux! Mais qui dit con? Mais qui dit con? Mais qui dit con, ce petit? Éteins-moi la lumière. Éteins la lumière. Ok, faut que je chope la mouche. Et pour ça, il faut que je mette l'araignée quelque part. Oh, je peux aller sous le lit. Très bien. Ok. Ok, il y a clairement un insecte mort dégueulasse. Je ne peux pas l'attraper. Avec le balai, puis-je l'attraper? Allez! Beau gosse. Et je n'ai plus le balai. D'accord, donc clairement, ça me servait à ça. D'accord. Est-ce que je peux mettre du coup ça ici? Non. Est-ce que je peux mettre l'araignée ici? Non plus. Que puis-je faire? Faut que je chope l'autre insecte. Faut que je chope un endroit où je peux le choper. Bah, ce que je veux dire, ne... ce que je dis ne veut rien dire. Vas-y. Il est toujours trop haut, ce con. Est-ce que si je cache ma tête... Il n'y avait pas un trou dans l'armoire tout à l'heure? Ah, je peux plus le faire. Mais bien sûr. Mais bien sûr... là, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Hein. À part prendre le jus comme un con. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre le jus? Est-ce que ça l'attire? Ah oui! Ok. C'était horrible. Je me suis fait mal, mais j'ai réussi à tirer la mouche vers la lampe. Et ça me fait un insecte en plus. Alors, pourquoi faut choper les insectes? Non, c'est rien du tout. Putain. Ok. Elle veut des insectes pour laisser passer. Oui, je te donne des insectes. Alors là, Sandar, elle serait terrifiée. D'ores et déjà. Tiens. Vas-y, envoie-lui. Pas le coup. Ok. Ok, on va lui donner tout le reste. Tiens, chope une petite... Donc c'était pas une araignée, hein, parce qu'elle va pas manger une araignée, mais un petit cloporte, une chose... Ah, c'est dégueulasse! Ah, ça me fout des frissons, je vous jure, hein, j'aime pas ça du tout. Hein. J'ai pas peur des araignées, mais là, je sais pas, l'ambiance, là... C'est bon, tu peux te casser, maintenant? Quoi? Ah, clairement, elle explose. Tout va bien. Donc vous voyez, on a des petites énigmes comme ça, c'est sympa. Le côté pas une technique, mais des énigmes glauques. C'est cool, genre, ramasse des insectes dégueulasses pour nourrir un monstre dégueulasse. Un insecte monstre. Mon lapin.
Alors ce lapin est clairement répugnant, hein. Donc cette vidéo est moins de 18. Ah mais il est dégueulasse. Mais là je peux faire quelque chose ou pas? Ou je suis juste en train de contempler Ok, je ne pouvais rien faire. Je sais pas, j'ai cliqué. Je sais pas si c'est ça qui a fait avancer le schmilblick. Ok, oh la vache, il y a une espèce de main dégueulasse. D'accord, alors là, on va me dire, il faut une serrure. Et clairement, il faut une serrure. Ah, c'est locked, les gars. Ok. Il faut que je chope une serrure quelque part. Donc, je vous rassure tout de suite, on prend pas tout. Putain. Ah, qu'il y ait du gel dégueulasse, là. Je vous rassure tout de suite, je disais, on fera pas l'aventure entière, ne vous inquiétez pas, parce que le but c'est aussi que vous puissiez le découvrir, je vous dis, sur Android, moins de 2€, moins de 3€, 2,80€ je crois, ça vaut le coup quoi, si le jeu vous plaît, pour 2€ ça vaut le coup, mais du coup voilà, faut pas que je vous spoil tout, par contre, qu'est-ce que je peux choper, ici, pour faire, alors je peux pas revenir en arrière en plus, c'est ça le son public, et là, clairement, si j'avance, je me fais défoncer. Voilà, donc clairement, faut pas faire ça. Ah, mais il est ultra violent. Tu m'étonnes que le gamin soit pas bien. Là, je peux faire quoi, du coup? Je peux forcément faire quelque chose. Y'a rien. Si je veux rentrer... Vraiment, ça veut pas. Hein. Il faut clairement une clé. Il faut clairement une clé, sauf que... Je n'ai pas d'objet sur moi, non. Là, ça, je peux pas choper. Ah. Attendez. Il y a des choses à faire là-bas. Ah, je peux même plus ouvrir la porte. Il m'a dit genre... non, mais c'est mort, mon gars. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire parce qu'il me lance, justement? Genre une mécanique un peu à la con. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Juste une tête d'ampoule. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais non. Mais gros con. Gros con. T'es con, ampoule. T'es con, excuse-moi. Donc hop, au-dessus, tête d'ampoule. Je suis descendu trop près en fait. Ensuite, par là, très bien. Et ensuite, comment je fais pour descendre? Parce que là, le problème, c'est que... Ah si, je peux aller là-bas, mais j'avais pas vu... C'est quoi le truc qui me suit là? Il y a un truc qui me suit, on est d'accord? Putain, il y a un truc qui me suit. Je vais me passer... Oh, il y a une chaussette, tu peux la prendre? Non. Le mec, il veut choper des chaussettes, on sait pas pourquoi, mais j'ai pas, il y a des chaussettes. Ok. Ok. Oui, t'inquiète pas. C'est quoi ça en premier plan? Non, je suis pas allé à gauche. Il va me choper. Une clé, chope la clé. Ok, très bien. On a la clé. C'est déjà ça. Donc là, je peux pas aller par là. Je vais essayer d'aller à gauche du coup. Au pire, elle va m'attraper. Ah, je peux y aller. Beau gosse! C'est-à-dire... Ok. Je ne peux rien faire. C'est mon corps qui me suit. Mais non, mais je suis gros con. Non, mais par là. Faudra que je mette une lame là-dessus, les gens. C'est sûr. Je vais choper un bout de lame ou un truc comme ça. Je le sens comme ça. Donc là, on va se casser et on va faire en sorte que la main nous chope pour nous renvoyer au départ. Allez, chope-nous. Merci. Boom. Là, on a la clé. C'est parfait. L'animation géniale avec la main qui reste juste genre comme ça. C'est bon? Yes. Oh. C'est quoi ça? Non mais attendez, mais pourquoi je me suis barré là? C'était quoi l'histoire là?
Ah oui, d'accord, donc là c'est pour se barrer. Ah oui, d'accord! J'ai n'importe quoi. Quoi? Ah, je peux ouvrir l'autre côté, mais je suis con. Oh. Ok. De l'essence ou de l'huile? Mais oui! L'armure! L'armure était. L'armure! L'armure, vous l'avez vu, en fait, c'était pas une arme qu'il fallait. Non, non, pas l'huile. Pas l'huile, pas l'huile. C'était pas une arme qu'il fallait, c'est juste qu'il fallait la décoincer l'armure. Parce que, effectivement, ça faisait. J'ai même envie d'en mettre sur les chandeliers parce que je trouve qu'il grince un peu. Hein, franchement. Oh putain, j'aime pas ça. Alors je suis désolé pour les gros mots, hein, vraiment, sur cette vidéo, mais bon, déjà on n'est pas des bébés, hein, les gros mots c'est pas grave. Je suis désolé pour les gros mots. J'ai l'impression d'être un gamin. Mais oui, on sait, t'as peur, mais n'aie pas peur, mon petit. Regarde, ils te font rien, ces bras dégueulasses. Là. Non, 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 il va pas tout de suite. On prend l'huile. Voilà. Un peu d'huile. Et ça ira mieux. Ok. J'ai compris, on va couper la main. Ça va être dégueulasse. On va par là. On se dépêche d'aller là-dedans. Hop, on y va. Pourquoi je peux pas le couper? Parce qu'il n'y a rien au bout, hein. Je suis désolé, je le dis depuis le début, mais... Il nous faut une lame, hein. Alors, il nous faut une lame. Je sais pas où on va la choper. Mais il nous faut une lame. Pour moi, il n'y a rien au bout de l'arme, en fait. Quand on regarde ici, vraiment, clairement. Ouais, il n'y a rien, c'est ça. Mais attendez, mais je suis-je complètement aveugle ou comment se passe? Ah mais là, il y a une arme là. Ah non, peut-être pas. Il y a des slips, ça c'est sûr. Est-ce que je peux pas descendre entre les deux? Mais oui, c'est ça la véritable question. Ne pourrais-je pas descendre entre les deux? Suis-je bête, en fait? Depuis tout à l'heure. Et ici, je descends. Mais oui. Mais oui. Ok. Je peux faire quoi ici? Je peux regarder dehors. Oh, un bout de verre. Yeah. Les enfants, c'est bien, manipuler les bouts de verre comme ça quand il y a des monstres. La grosse morale. Je peux remonter? Clairement oui. Parfait. Ok, très bien. Tac. Bon, c'est un peu pénible que le curseur par contre disparaisse hein, chaque, entre chaque action, parce que c'est un peu lourdin. Ok, attends, hop hop hop. Tac, tac, vas-y, mets le bout de verre. Wouah, la vache, ça fait une faux, c'est dégueulasse. Hop. Et tu coupes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? T'es aussi monstrueux qu'eux, hein. Tu sais ça. Pas le droit de toucher? D'accord. Ben je ne touche pas. Il me dit en gros c'est trop dégueulasse, il fait une espèce de tête en mode... J'aimerais bien au moins arriver à une ambiance rouge. Parce que là on peut jouer encore un petit peu, on est à un petit quart d'heure, un gros quart d'heure de jeu. Ah papy! Papy est mort? Non. Papy n'est pas mort quand même. Papy ne peut pas mourir, c'est papy. Mais c'est quoi papy en fait? C'est une vieille ampoule? Oh, c'est une vieille lampe à gaz! J'ai l'impression, dans le design. Je sais pas, je le vois comme ça, peut-être que je suis complètement... Je suis peut-être en train d'inventer des trucs, mais moi je vois ça comme ça. Mon essence, est-ce que j'ai encore de l'essence? Ah non. Parce que l'essence pour moi c'est ce qu'on mettait dans les ampoules à gaz, non? Je ne m'abuse. Je ne m'abuse. Je peux rien faire. Si, je peux monter sur le chandelier. Putain, faut vraiment que je prenne le réflexe de ça. Sur le lustre, pardon. Le chandelier, c'est pas trop pareil. Alors, par là, il y a rien. Par contre, par là. Mais je comprends pas. J'y n'ai comprends pas. Ah! Quoi?
Mais je pouvais passer devant. Mais je suis à l'ouest ou quoi, moi? On peut le réveiller avec de la flotte, c'est sûr. En effet, lui balancer de la flotte dans la gueule, ça devrait lui faire du bien. Sur une ampoule, c'est pas très conseillé, mais ça fait une Claude François après, mais... Tu vas où, là, mamie? Ah oui, d'accord. Ah! Papy va mieux. Bah, va mieux. Oula, papy va pas bien. Papy n'est pas bien. Papy n'est pas content. Oui. Mais un... Oh, un tiroir. Un tiroir. Tout est dégueulasse. Ok. Est-ce que c'est juste pour le fun? Ou est-ce qu'il y a un truc à prendre? Parce que pour l'instant, moi je vois rien. Alors après, je vous avoue que peut-être que je chope un objet. Oui, ça me dégoûte. Oui, j'imagine bien, mon cher ami. C'est pas terrible, en effet. Ok, il y a l'air de rien avoir ici, à part le lustre. Il y a un truc qui est tombé. On a vu qu'il y avait une plaque de plâtre du plafond qui était tombée, donc potentiellement on peut aller là-haut. Je suppose. Ah non, c'est pas qu'on peut aller là-haut, c'est qu'on peut tout... Tout péter. J'ai vu ça de ma vie parce que c'est ultra long en plus. Génial. Wow. Wow. Mes yeux. Ok, on a l'air d'être dans un flashback à mon avis. Ah, la bouche. On a papy avec notre petit oiseau volant qui nous dit on va jouer à la balle, on est en train de manger un poulet, il y a des abeilles, c'est trop mignon. Ok, ah je joue clairement. Oh, j'ai pris le panier. Il y a un œuf. Je veux le œuf. Oui, je veux lancer le œuf sur l'abeille. Je veux la balle. Je peux lancer la baille dans la baie. La baille dans la baie. Il veut un œuf. Attendez. Ok. Si je mets l'œuf dans le trou, va-t-il aller dans le mini? Oui. Ils ont un peu loin. Quoi? C'est quoi le petit point d'interrogation? Ah non! D'accord, c'est en train de m'indiquer. Attendez, mais ça je savais ça. Ça je savais ça. En fait, on a une aide si on est trop nul. Bravo. Hein. Je sais faire comment. Moi, je veux récupérer ma balle, moi. J'ai vu. Si je mets l'œuf là. Il tombe. Non. Attendez, que j'essaie de comprendre. Oui, il veut un œuf. J'ai bien compris. Il donne une voix pas possible. Je te lance l'œuf. Je peux pas lancer l'œuf. Faire quelque chose ici. Oui. Ah, je peux mettre le panier. Voilà, et je peux récupérer de l'eau. Si je comprends bien. Pas du tout. Par contre, je peux nettoyer l'œuf. Je vais demander pourquoi. Ah.
Ok. Attendez, est-ce qu'il faut pas que je mette l'œuf maintenant? Non, je ne peux pas. Mais que puis-je faire, mon dieu? Attendez, il y a un truc là. Une branche. Je clique, je clique. Trop mignon. Ok. J'ai une branche. Ouais, ça, une petite indication, on va voir. Il dit de mettre le bâton dans la... Attendez, alors là, moi je veux bien. Je ne comprends pas du tout pourquoi il faudrait mettre le bâton. Ah, pour choper la... l'abeille. Ah, pour faire fuir le oiseau. Il a peur, il a peur. Le truc tombe. Ok, il retourne comme ça. Hop, on prend l'œuf. On met l'œuf. L'œuf va dans le trou-trou. Il a son œuf, il est content. Il y retourne. On joue à la baballe. Et tout le monde est content. Ah bah vraiment, faut que j'aille me chercher dans le puits maintenant. Heureusement, j'avais mis le panier. Bon, vous voyez, c'est un petit peu enfantin, mais l'ambiance ne l'est pas, donc... là, sur ce passage-là, on a un peu l'impression de se dire, ouais, je joue à Dora, quoi, les gars. Sauf qu'on va retourner après dans le truc. Faut le faire au bon moment. Non, sérieusement, il y a un timage. Oh là là, timage. Ok. 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 On attend que ça passe dedans. Ça passe jamais dedans. Là, ça passe. Ouais, mais il y a tant de latence. Moi, je... Non. Eh. À un moment, moi, je veux bien être cool, ok? Pour arrêter les conneries. Ah là, voilà. Là, clairement, c'est parfait. Est-ce qu'il y a moyen de jouer avec toi, le chien, sans que tu foutes la balle dans le puits? Merci. Tout n'est content. Même le papy lampe à huile, hein, c'est clairement une lampe à huile, hein, moi je le dis maintenant. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a pris notre poulet? Vous avez l'air de poulet, vous. L'oiseau trop content. À quoi ça me fait penser, sa bouche là? Ça me pense à un dessin animé dégueulasse. Ok, le poulet dans le ciel dans une bulle. Ok. Nous sommes arrivés dans les toilettes. Nous sommes arrivés à l'étage supérieur et en fait, on a eu un flashback entre les deux. Bon, écoutez les gens. Je crois qu'on peut dire qu'on va terminer avec ce jeu aujourd'hui. On a terminé avec ce jeu aujourd'hui. Je pense que ça suffit. On a fait 25 minutes de jeu. Ouais, c'est ça à peu près. Ça vous suffit à vous montrer un petit peu le délire. Le jeu est cool. Moi, il me plaît beaucoup. Je l'ai découvert avec vous. J'aime beaucoup l'ambiance en fait. Les énigmes sont pas si compliquées. Elles sont plus de l'ordre des allers-retours, voilà, à répétition. Après, est-ce qu'on le fait vraiment pour les énigmes? Non, on le fait pour voir où vont nous mener les énigmes. Et tout le côté gore, je pense que ça va être de pire en pire. Là, en plus, on est arrivé dans les chiottes. Donc, éventuellement, les amis, si ça vous intéresse que je le fasse, que je fasse la suite, vous me le dites. Et à ce moment-là, on fera la suite, sans souci. On fera même un épisode plus long avec la suite. Ça me va. Ça me va clairement. Sinon, moi, je le ferai de mon côté, et puis je vous laisserai le découvrir, voilà. Vous avez tous les liens dans la description pour Android, pour la version des maths sur Switch, parce que je crois pas qu'il soit sorti en boîte, il me semble pas, ni sur Xbox One d'ailleurs, c'est du des maths. Donc je vous indique tout ça, ainsi que le lien Steam, je vous l'ai dit, hein, sur Android il est dans les 2-3 euros, un peu moins de 3 euros, et sur Xbox One 9 euros si je ne m'abuse, et sur Switch 8 euros. Je pense qu'il est mieux sur Switch dans le sens où il y a le côté tactile, pareil sur Android, parce que les point and click c'est cool pour ça. Par contre sur Xbox One, je le vois mal en mode visé au joystick, je trouve que les point and click ça s'y prête pas vraiment, c'est pas top, donc... Je vous le conseille plutôt sur une partie tactile ou alors sur PC avec clavier souris, bah la souris, ça marche bien. Sur ce, bah j'espère que ça vous a plu, moi j'ai été charmé par le jeu, hein. J'avoue qu'il est vraiment vraiment chouette. J'aime beaucoup, hein, comme je vous le dis, l'ambiance, puis graphiquement ça a de la gueule quand même, on peut le dire. Donc voilà, après la durée de vie de 3 heures, bon, faut que le jeu se voit vraiment pas cher, quoi. C'est vraiment ça. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, si vous voulez la suite, ou si vous voulez la découvrir, la découvrir par vous-même. En tout cas, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme celui qui l'a fait en plein milieu de la vidéo avec le son de « Ah !» Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao !